Preparedness, c'est-à-dire nous préparer pour lui. Nous tenons un plan pour response, ça c'est un. Nous tenons une organisation avec un tug sur place, comme on connaît Basilios et compagnie Polygreen. Nous tenons un contingency fund qui pourrait boulder une côté que nous MPA, qui fait que ce que nous pouvons faire devant, c'est une contribution privée dedans pour pouvoir faire ça système. Un intug sur place à une pérenne, c'est-à-dire une permanente. Nous faisons un training, pas fait une service à fois là, mais nous faisons un training préventif de 40 personnes à la MPA qui viennent à la FAN, IMO, International Maritime Organization, sur Level 1 Low Oil Spill Response. Nous faisons, depuis juin de l'année dernière, fait un nouveau guideline pour bunkering, par exemple, pour nous protéger sur l'environnement et nous mettre plus de contrôle et régulation, l'eau, façon de faire un bunkering dans Maurice pour le plus sécur, environnemental friendly. Deuxièmement, nous avons un aliment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que cette fois-ci, pour ces trois opérations salvage qui ont réussi là, nous avons un seul comité, une seule direction et une collaboration entre tout ministère, secteur privé, gouvernement, par étatique, la police. Shipping, MPA, tout là-dedans, dans une seule direction. Ce qui est incroyable, là-dedans, c'est efficace. C'est l'aime bien aussi. Nous tenons une seule direction pour aller. Chacun nous connaît qui est à bouffé dans l'opération. Nous n'avons pas aucune interférence avec personne, aucun ministère, aucune personne en dehors. Nous n'avons pas de blanche pour nous faire travailler avancer et divorcer. Il fait simple ça. Et dernièrement, nous avons une motivation. Motivation, comme on peut dire, une raison de succès, nous succès c'est motivation. Motivation qui fait parce qu'il y a un paquet. Personne qui nous joigne, un paquet d'entreprise, soit même dans le privé par exemple, je ne fais un effort qui, plus que ce qu'ils ont supposé faire pour aider. Moi, vous avez fait ressortir qui nous est là. À ce jour, trois enquêtes qui sont déroulées, une au niveau de la police, une au niveau du ministère du Shipping, Flou Économie et Fisheries. Et que nous, les bidons internes, pour aider si il y a un issue avec la façon qui est dans l'interne, il nous opère. Comment est-ce que vous opérez? Vous avez besoin de faire. Ce qui me comprend, en ce qui concerne la MPA, il y a 6 personnes qui font une lettre pour demander des explications. Et l'enquête en cours, donc, nous pouvons tenir au courant au fur et à mesure qu'il est déroulé.